Yeah. Uh -huh. Autour du portail documentaire du CDI. Euh, alors avant de commencer, je vais vous remontrer précisément comment on accède au portail documentaire, donc à partir de l'ENT. Euh, N'allez pas chercher euh, plus loin, à partir de l'ENT, on y accède très facilement et sans s'identifier. Donc vous passez tout simplement par ici, menu, vous allez donc dans espace CDI, c'est pas la peine de cliquer sur le plus puisque c'est sur la page d'accueil de la rubrique qu'on accède directement au portail. Voilà, donc vous cliquez sur l'espace CDI. Alors bon, en ce moment, il y a pas mal de contenu en haut d'article mais vous allez un petit peu plus bas. Voilà, et là, vous avez donc accès au catalogue documentaire. Donc soit vous cliquez sur le lien hypertexte qui est là ou directement sur l'image. Et donc en cliquant dessus, vous accédez directement au catalogue en ligne. Donc ça évite d'avoir trop d'URL à mettre en favori. Tout est en un point d'accès unique, le NT voilà, donc nous revoilà sur le portail documentaire du CDI. Aujourd'hui, euh, nous allons découvrir ensemble comment accéder à son espace privé et euh, les fonctionnalités qu'il vous permet. Alors, ici à gauche, vous avez ce petit bloc euh, orangé, se connecter. Donc, c'est ici que vous allez saisir vos identifiants. Euh, a priori, vous n'avez pas d'identifiants. Je dois vous les créer. Donc, si vous êtes intéressé... Euh, par le service, vous n'avez qu'à me le demander euh, par euh, message sur le NT ou ici sur Instagram ou ailleurs et je vous l'écrirai avec plaisir. Voilà, donc ici c'est Jean Test hein, qui, va, euh, qui est un nouvel élève du collège fictif qui va nous servir, euh, c'est son compte qui va nous servir à faire la démo. Donc j'ai saisi ses identifiants, donc ici l'identifiant en bas, le mot de passe classique, habituel et je clique sur OK. Voilà. Et là, donc, j'accède sur une interface privée. Donc, vous voyez, j'ai le nom de l'élève, son numéro de carte. C'est pas très important. Euh, L'adhésion, ce n'est pas non plus très important. Hein. Chaque année, c'est renouvelé de toute façon tant que vous êtes élève chez nous. Donc ici, j'ai plusieurs onglets. Donc, mon compte, mes prêts, mes réservations. C'est ces deux-là qui nous intéressent particulièrement. Mes alertes et mes suggestions, pour l'instant, on les laisse de côté. Donc ici, mes prêts, mes réservations. Je clique dessus et là. Je vois donc mes prêts en cours. Je peux afficher mes prêts précédents. A priori, il n'en a pas. Et mes réservations. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on va dire que Jean a Nouvelles histoires pressées de Bernard Friot, qu'il doit euh, les ramener pour le 12 mai. Bien sûr, c'est prolongé. On verra bien hein, quand vous aurez vos prêts à vous. Et ensuite, ici en bas, ses réservations. Donc ça, c'est un livre qu'il a déjà réservé. Maintenant, je voudrais réserver les légendaires le tome 9, puisque euh, du coup, le 8, je l'ai déjà. Donc tout simplement, je vais repasser par Je cherche, je trouve, et je vais saisir ma requête, donc les légendaires. Je clique sur Entrée pour démarrer la recherche. Donc là, j'ai mis les légendaires, mais j'aurais pu préciser en mettant les légendaires 9, mais dans tous les cas, je vais le retrouver. Donc j'attends que mes résultats s'affichent. Voilà, donc ici, vous voyez toujours... Le petit livre vert, c'est le livre réel, physique, en réalité papier, suivi du numéro du tome et du titre du tome. Donc là, en l'occurrence, c'est le 9 qui m'intéresse. Donc je vais euh, déployer la notice avec le petit plus que vous commencez à connaître. Et en bas de la notice, entre la partie euh, de présentation de la notice, du document et la partie exemplaire, vous avez donc ici réservation. Et donc là, vous cliquez sur réserver ce document. Une petite sou fenêtre s'ouvre, vous confirmez. Et là, donc, on vous dit que votre, votre réservation a été ajoutée. Voilà. Donc, là, normalement, c'est tout bon. Je vais repasser dans mon compte euh, sur mon compte, pardon, pour voir si j'ai euh, ma réservation qui apparaît. Donc, vous voyez, j'ai aussi un petit menu déroulant pour pouvoir euh, y retourner de façon simple. Et là, vous voyez. Il est ici, le tome 9 des légendaires. Voilà, donc c'est assez simple. Euh, il vous suffit juste d'avoir des codes. Donc là, c'est à vous de me demander, puisque je ne les crée pas d'office. Ça serait euh, trop chronophage si euh, peu d'élèves s'en servent. Au final, mais c'est une possibilité. Donc en temps normal, dans un contexte normal, ça vous permet de chez vous de faire vos réservations. Et puis moi, ça se met automatiquement à jour sur mon interface de gestion. Et euh, une fois que je. Si le livre est à emprunter, euh, quand j'effectue je, le retour, hop, j'ai une petite fenêtre qui apparaît qui me dit qu'il est pour vous. Une petite précision, c'est juste au niveau du rang. Est-ce que vous voyez ici, rang 1, en attente de validation, etc. Le rang 1 suppose en fait que vous êtes le premier élève à avoir demandé cette réservation. Si vous êtes plusieurs à en demander, euh, dans ce cas-là, euh, vous apparaîtrez en rang 2, en rang 3, en rang 4, etc. Voilà, donc ça vous permet de savoir aussi euh, bah, si vous êtes le premier à avoir effectué la réservation ou si vous êtes plusieurs sur le coup. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin euh, sur la présentation de l'espace privé. On pourra faire une autre vidéo pour d'autres aspects, notamment sur les alertes, etc. Sachez juste qu'en cette période de Covid-19, donc on n'a pas vraiment d'infos encore sur quand euh, le collège ouvrira, dans quelle mesure euh, il va réouvrir. Euh, je ne sais pas si je pourrais vous prêter des documents. A priori, ça risque d'être un peu compliqué. Mais si ça devait se faire, euh, on privilégiera, à mon avis, ce système de réservation en ligne. Et euh, je vous mettrai les documents à disposition d'une façon ou d'une autre qui respectent les règles sanitaires, bien entendu. Donc ça, je vous tiendrai au courant quand j'aurai plus d'informations et quand je saurai exactement comment tout ça va se passer. En attendant... Euh, si vous avez besoin, si vous avez envie d'avoir des codes, vous me les demandez, je vous les édite sans problème et vous pourrez commencer à faire votre petit marché au cas où je puisse vous faire quelques prêts. N'oubliez pas de vous déconnecter hein, quand vous, allez, euh, vous avez fini avant de fermer l'onglet. Voilà. Bon, mais je vous dis à très bientôt. Euh, vous me direz si vous voulez d'autres vidéos sur le portail, sur d'autres fonctionnalités. Il n'y a pas de souci, je peux en faire autant que vous voulez.